Alors, Giscoas, Drubal et Barkamago, les plus jeunes frères d'Hannibal, prennent la tête des armées restantes de Carthage dans ce théâtre de guerre. Ils ont joint leurs forces et sont prêts avec nous, une fois pour toutes, quoi. Hein, ils sont prêts à se battre avec nous, une fois pour toutes. Scipion lui-même, Lite, donc, étant à la tête des forces qui sont à sa disposition pour les rencontrer. Les légions et les Danaé italiques, je ne sais pas ce que c'est, bien sûr, mais aussi un large nombre d'alliés locaux. Alors, j'aime pas trop les rumeurs que j'ai entendues. Il paraît que l'ennemi nous surpasse en nombre par une grande marge, quoi, passe de loin. Quand on arrive en vue du camp punique, près de la ville d'Ilipa, nous pouvons voir de nous-mêmes que les rapports n'étaient pas exagérés. Ok. On est parti, hein? On est parti, mon kiki. Alors, notre armée est occupée à construire un camp autour de la plaine qui nous sépare des Carthaginois. Et il y a une large cavalerie qui vient de l'autre côté en essayant de nous prendre par surprise. Alors, ils ont trouvé, malheureusement, pour eux, la cavalerie de Scipion qui est cachée derrière une colline. La contre-attaque soudaine fait stopper les assaillants pour un moment, mais le combat est balancé et donc on nous envoie moi et ma manipule. Pour rencontrer les cavaliers. Donc, nos cavaliers prennent petit à petit pied, hein, grâce à notre support. Alors, je vois, donc pendant que tout se passe là, hein, je vois un cavalier numidien qui s'approche de nous par l'arrière. Alors, ces cavaliers sont considérés comme les meilleurs du monde, parmi les meilleurs du monde. Ils ont été la clé de beaucoup de victoires d'Hannibal dans ces dernières années. Et les compatriotes qui les ont rencontrés sur le champ de bataille, ont appris à les respecter. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis responsable de la ligne arrière. Donc, je fais make the last line. Donc, quand je tourne arrière avec la dernière ligne du manipule pour former un mur de bouclier. Donc il n'y en a qu'un, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Un seul. Man, c'est pas men, hein, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Donc il n'y en a qu'un seul. Je vais le rencontrer moi-même. Donc là, il y a tous mes potes là derrière qui sont contents, hein, que leur optio monte lui-même face, tout seul, à un numidien. Vous ne pensez, par contre, lui, il va pas être très content, mon centurion va pas être très content de ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, la troupe a augmenté de 7. Par contre, le centurion, il n'est pas content. Donc, soit je peux utiliser mon javelot comme une coupe, comment on dit ça, comme une pique, quoi, hein, ou alors je me dis sur ma soie. Bon, je vais me battre contre un cheval, là, hein, donc je vais utiliser mon javelot comme une. On va utiliser ça. Weapon, défense, intelligence. Tout ça se passe bien. For all his skills. Donc, malgré tous ses skills, ce n'est toujours qu'un cavalerie légère. Il ne peut pas charger contre moi. Donc, je reste ferme et je ne laisse pas d'ouverture. Et ensuite, j'essaie de faire une contre-attaque avec ma pique improvisée. Ah, raté! Mon weapon n'est pas assez bon. Il est bon. Il résiste à mon attaque avec son shield, son bouclier. Et il arrive à. Donc, il contrôle avec juste les jambes du cheval. Dommage. Mais par contre, il reconnaît ma puissance, ma force.
je veux dire, je ne sais pas très bien, boldness, ou mon courage, ou mon manque de peur, plutôt oui, mon courage, disons plutôt, avec un petit mouvement de tête, et s'en va. Je le regarde pendant un moment, et puis je reviens dans la sécurité du manipule. Et mon moral s'est amélioré de 2. Donc j'ai gagné quand même 7 points avec la troupe, ce qui va me permettre de mieux avoir des meilleurs sparring partners. Par contre, mon centurion n'a pas été très content. Dommage que j'ai pas pu le toucher, quoi. Ça aurait été génial, ça. Mais bon, il manquait un petit peu, hein, parce que si on regarde, vous voyez, donc ça c'est mon javelot 58, mais on verra plus loin, parce que là je ne peux pas le voir. Enfin, soit. Donc finalement, les Carthaginois, donc l'escarmouche a duré longtemps, mais finalement les Carthaginois sont retournés à leur camp. Donc rien d'autre de spécial n'est arrivé pendant le camp. Et donc je voulais vous montrer ici Secondary Skills, tu vois, polearme. C'est ça qu'on utilise. On a utilisé notre javelot comme une polearme. Et donc j'avais que 35, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi. Bon, j'ai eu 35% de réussite, quoi. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Mais bon, pas trop se plaindre. Centurion, on a perdu un tout petit peu de points. Mais par contre, regardez la troupe, on est à 75% à peu près là maintenant. Ok, on continue. On est à Ilipa, en Espagne. Donc ça continue. Donc le jour est arrivé. Les voix des officiers donnant des ordres. Donc pour marcher, oui, enfin soit. Donc aujourd'hui, on va voir si tous les efforts que j'ai faits pendant 4 ans sont au point. Donc on prend position, notre manipule prend position sur le champ de bataille. Si nous tombons ici, cette vaste plaine sera le dernier endroit que j'aurai vu de ma vie. Alors, les légions de Rome et les alaïs italiques sont au centre. Nos troupes locales alliées, nos troupes légères alliées sont sur les ailes. Et quand la poussière retombe, nous voyons à distance les ennemis distants. Giscard Asdrubal a adopté une approche similaire avec son infanterie lourde en face de nous. Alors là, on va se battre contre des éléphants. Alors, ces éléphants sont là comme des tours en face de ces alliés hispaniques sur les ailes. Alors on attend en silence, nous avons besoin de croire dans la solidité de nos copains, hein, dans nos copains soldats. Si à un moment ou l'autre ils paniquent et cassent la formation, alors tout est perdu, quoi que nous puissions faire, quoi que je puisse faire. Alors, j'essaye de ne pas tomber dans ce puits, si on peut dire, de ne pas croire que ça va arriver. Alors, l'attente semble durer éternellement. Les minutes passent, puis les heures. Aucun des généraux ne donne le signal pour avancer. Comme la tombée du soleil approche, nous voyons un mouvement à l'ennemi front, donc dans le front de l'ennemi. Ils ne sont pas occupés d'avancer, cependant. Ils sont occupés de retourner vers leur camp. Peu après, le même ordre nous est donné. Notre marche vers le camp est un mix de frustration, je veux dire. Donc on n'est pas très content, mais ça va, on n'a pas l'air d'avoir perdu de morale. Tant mieux. Donc le jour suivant, le même spectacle est représenté toute la journée. Et voilà, et ça, la même chose pendant plusieurs jours. Les Carthaginois sont toujours déployés en premier, et puis ils font l'infanterie au milieu, et on suit peu après en faisant la même chose qu'eux, en prenant les mêmes positions. Ok, on a raté l'intelligence, et donc ça nous a énervés, et on perd 3 de morale. Enfin, un matin, nous sommes réveillés plus tôt que d'habitude. Les ordres sont de prendre un bon déjeuner et de se préparer à marcher. Quelque chose est différent ou va stopper avec la position de notre. Eh oui, a changé avec la position de notre légion
dans la colonne montante. Nous finissons sur une aile au lieu d'être au centre. Notre cavalerie et les escarmoucheurs sont occupés d'harasser, oui, harasser en français, oui, harasser le camp punique, en forçant Giscard Asdrubal à répondre en déployant en vitesse, en se déployant en rapidité, en vitesse. Les deux armées sont totalement positionnées. La poussière n'est pas encore retombée, mais on est presque sûr qu'on est face à l'infanterie légère maintenant, au lieu d'avoir leurs troupes d'élite, leurs troupes lourdes d'élite, ou leurs troupes d'élite lourdes. Non. Heavy troops, donc les. Enfin, soit bon, vous avez aussi bien compris que moi. Alors, cette fois-ci, on ne va pas retourner en arrière. On continue. Scipio lui-même prend commande de notre aile. Alors, on tourne vers la droite, puis on tourne vers la gauche. Nos trois lignes sont devenues des colonnes. Malheureusement, je rate mon charisme. Je réussis mon charisme, je rate mon awareness, je crois. Donc, je me gourre un petit peu pour arriver à garder les mecs en formation en arrière, hein, donc mes hommes. Heureusement, notre collègue Veturus voit nos bêtises et il rétablit et rapidement la situation est de nouveau sous contrôle. Donc, on perd de nouveau 5 points avec le centurion. On perd 3 points malheureusement avec la troupe et mon moral a diminué de 3. Bon, je n'ai pas encore été un très bon optio. Hein. Alors, comme colonne, nous pouvons avancer maintenant beaucoup plus vite que d'habitude. Vous voyez que l'autre aile sur la gauche, faite pas de légers, mais de heavy footmen, hein, d'armes lourdes, je ne sais pas comment on appelle ça, l'infanterie lourde, voilà, on y est. Et donc, on peut faire la même chose. La ligne formée par nos alliés hispaniques dans le centre avance à une vitesse plus lente. Ok, maintenant nous sommes plus proches de l'aile gauche carthaginoise. Nous tournons vers la droite une fois de plus. Ensuite, on tourne. Donc, on tourne, je ne sais pas très bien, on pivote, c'est de pivoter, Will, oui. On pivote sur la droite une fois de plus, et puis on tourne et on leur fait face dans notre formation usuelle, habituelle. Nous avons été trop rapidement pour qu'ils puissent réagir proprement. Alors, leurs éléphants ont été. Envoyés, sont partis à cause de nos escarmoucheurs, quoi. Au moins, enfin, nous avons l'ordre d'avancer. Ça y est, on attaque maintenant. Quand l'autre côté est à la bonne distance, je me prépare à lancer mon premier javelot. Alors, mon javelot, maintenant, il est quand même à 58%. Pick off a specific target. Allez. On réussit le throwing, on a blessé notre cible et il tombe, enfin il recule en causant du désarroi. Ok, on gagne un troupe et notre morale est améliorée. On n'a pas tué le mec, mais ça viendra. Alors, comme l'autre côté arrive de plus en plus proche, on est prêt pour la bataille. Je dois temporairement prendre la place du centurion sur le front. Ok, donc là on se bat contre un Cetratus, et si je ne me trompe pas, on les a déjà battus. Regardez, il n'est pas trop bon en défense, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, sa coordination n'est pas géniale, sa force n'est pas géniale. Ok, donc Max, javelot, je rate. Par contre, je n'ai pas perdu d'équilibre cette fois-ci. N'a pas la slow reaction qu'on avait comme d'habitude. Alors, soit je peux directement attaquer. Je pourrais directement attaquer. Mais je vais me faire une petite feinte qui me semble pas mal. Une feinte normale.
il a résisté. Lui, par contre, il me fait une belle fin. Lui, il a mieux résisté que moi. On se met en cover, on l'a réussi. Il m'attaque à la tête, il rate bien entendu son coup. Moi, cette fois-ci, je pense que je peux directement lui rentrer dedans. Exactement. Et on va tout de suite lui faire mal. Oh, on a raté notre attaque, merde. On va attaquer une fois. Et on rate de nouveau. Parce que je rattaque parce qu'il était, il n'allait pas normalement m'attaquer. Donc je recule, mon recover est maximum, donc je suis sûr de l'avoir. Tant mieux. Il rate de nouveau son coup. On va essayer de lui refaire une bonne feinte ici. Qui n'a pas donné grand-chose, mais on va quand même pouvoir rattaquer le torse. Et ce coup-ci, on lui fait mal. Bien, il n'a pas pu récupérer grand-chose, on continue notre attaque. Et on lui fait très très mal. Malheureusement, j'ai raté mon coup. Je vais me reposer. On va le laisser attaquer. Il rate son coup. On revient et on l'attaque au torse. Yes, encore une fois. Mais il rate. Il m'a attaqué, il a raté. Je continue à t'attaquer, mec. Je vais essayer. Ah là 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 là. J'ai essayé de le tuer. On va revenir ici, je vais faire un cover, et si jamais je peux retaper, j'attaque tout de suite. Et on réussit tous les deux. Est-ce que je peux te... 14e coup. 14e coup. Je vais te faire une feinte, mec. Normal que je rate. Lui, il me fait une feinte qui réussit, par contre. On va le prendre. Allez, il ne manque plus grand-chose, ça y est. On l'a eu à temps. Avant que la situation ne se modifie. Un plus 3, hein, là, c'était pas mal du tout. Donc je peux me reposer. Il y a un nouveau mec qui arrive, mais au round 18, ça vaut pas la peine que je l'attaque. Donc je vais me reposer. Et on va succéder. Il m'a touché. Mais heureusement que j'avais mes graves là. Je commence à mettre ça, mais je sais pas. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, on a reposé, il m'attaque, il rate son coup. On peut se faire une petite attaque dessus maintenant, pourquoi pas. Si jamais on peut lui faire mal, on rate totalement. Elle va pas me toucher, hein. Mais normalement, voilà, c'est fini, ok, parfait. Donc, aussitôt que la situation permet, le centurion reprend sa place et je retourne en arrière pour que je puisse regarder mes troupes, quoi. Alright. Ok, on repart de nouveau à la place du centurion devant. De nouveau un Cetratus qui est blessé là, qui m'attaque tout de suite, mais qui me rate. Je pense qu'on peut essayer une feinte, mais il résiste. Il essaye de me toucher au nez, malheureusement il a récupéré. Donc il va m'attaquer. On va le laisser m'attaquer. Bien. Mais il est bon, hein. Enfin, il récupère bien le monsieur là. Si on regarde, normalement, il devrait avoir une bonne endurance. Voilà. Et une bonne coordination. Qui n'est pas mauvais ça. Et quickness, ça veut dire qu'il peut jouer assez. Lui, il peut jouer assez souvent, deux ou trois fois. Donc faire attention à lui. Bon, il vient quand même de s'ouvrir sérieusement. Ouh, on lui ferait pas une petite charge à ce monsieur. Je crois que c'est peut-être le moment d'essayer. Oui. Même si tu es revenu dessus, mec, je pense que mon attaque devrait te faire très 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 mal. On va commencer tout de suite une petite attaque au torse. Voilà. On regarde si on peut. On continue. Voilà, je peux rattaquer de nouveau. Et je te tue, quoi. Oh là là! Oh là là! Cette tour, magnifique. Allez. On va rester comme ça pour le moment. Un autre Cetratus va arriver. Je peux de nouveau me reposer. Voilà un autre Cetratus qui est comment, lui? Voilà, regardez un petit peu. Pas beaucoup de défense. Son attaque est pas terrible. Par contre, il y a un peu plus de force quand même et d'endurance, lui. Il est très rapide aussi, c'est des mecs rapides. Hein. Donc, je vais me remettre. On va se remettre pépère, encore un petit respite, puisque je suis quand même plus fatigué que lui. On laisse m'attaquer et on contre-attaque. Avec un.
Une très très bonne résistance, monsieur. Même sur la charge, regarde-moi ça. Ah non, non, ça c'est moi. Ça, c'est... Un Knox serait excellent. Même une charge. Mais ouais, on peut tenter une charge. On l'a putain. Waouh. La réussite, quoi. Un peu plus d'une chance sur deux, hein, que je vais être dessus. Mais alors là maintenant. Alors, je crois que je vais attaquer directement Aden. Parce que si vous regardez ici la main, j'ai 1.2 ici. Si j'attaque à la tête, malheureusement, il a un casque qui protégerait de la moitié. Et donc, ce qui me permet d'avoir le plus, ce serait 1.2 ou 2. Je crois que mes 2, j'ai que 75%. Donc, on va attaquer sur Allen. Oh, 25 points de dégâts, le mec. On continue, mais ce coup-ci, là, ça devient un petit peu juste. On va lui faire au torse. 14 points. Est-ce qu'on peut... On peut continuer dessus. Il est mort. 3 tours, les gars. La vache. Là, ça... On commence à être bon là, hein. On commence à être vachement bon. Bon, alors on a eu beaucoup de chance aussi. Hein. Dites-vous bien que c'est un champ de bataille, quoi. Ça devait être incroyable à l'époque, ces histoires. Ça devait être vraiment incroyable. Ok, on va récupérer un peu de fatigue. On le laisse nous attaquer. Alors, toi, t'es comment, toi? Il résiste bien aussi. Shield, par contre, il ne résiste pas bien. Mais j'ai. Oui, il est déjà entamé. Donc, on va refaire une charge. On va voir si on y arrive de nouveau. Parce que si on l'a raté, quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'on va. Oui, on a bien récupéré. On va encore récupérer une fois. Donc là, shifting. Donc maintenant, il me reste deux ou trois coups peut-être dessus. On va voir. Je vais récupérer tout. Il me fait une feinte, il rate. Enfin, moi je rate mon coup, il rate lui. Ici. Est-ce que ça vaut la peine de faire une feinte ou je peux attaquer tout de suite? Je crois que je vais attaquer tout de suite ce monsieur. Et on lui fait un petit peu mal. Il rate son recover. On continue à attaquer au torse. Et on va réattaquer de nouveau. On va essayer de lui faire un petit coup. Faudrait qu'on passe ici pour avoir un wounded, ça nous fera des points en plus, mais. Pas sûr que ça. Oui, on l'a eu. Et on va. Voilà. Le coup est fini. Mais malgré nos efforts, la formation ennemie tient fermement le terrain. Donc on les a suffisamment amoindris, affaiblis, pardon. Ils ont été cloués sur place par les alliés hispaniques au centre. L'infanterie africaine ne peut pas venir à leur aide. Donc, l'infanterie africaine ne peut pas venir à l'aide de ces tratis. Il n'y a pas de raison de m'exposer moi, de nous exposer nous-mêmes plus que nécessaire. Donc, on nous a dit de reculer et de laisser maintenant les principesses, donc ça c'est notre heavy infanterie, les principesses de prendre, d'avancer, quoi, enfin, d'y aller. Très tôt, les ailes du front punique commencent à s'effondrer, forçant le centre non protégé à suivre. Donc à suivre, à collapser également, quoi. Parfait, parfait, on s'est bien battu, on a un bon moral là pour le moment, on n'a pas été touché, on continue. Alors, jusqu'où Hasdrubal réussit à rallier ce qu'il peut de son armée en retraite et forme une nouvelle ligne défensive sur la colline près de son camp. Il a perdu beaucoup trop de troupes cependant et leur morale doit être au mieux secouée. Enfin secouée au mieux. Notre armée attend en bas de la colline quand le signal pour attaquer arrive. Nous sommes en surnombre maintenant par rapport aux Puniques et ça ne devrait pas durer très longtemps. Je supervise le manipule à partir de l'arrière, mais il n'y a pas grand-chose à faire là. Donc les Carthaginois ont perdu tout courage, quoi, hein.
Qui jouait, donc après, ils abandonnent après un bref clash. Il y a des mots que je sais même plus dire en français, moi. Mais la chasse après eux est bloquée dans la boue. Quand soudain, ce dôme pou, je ne sais pas très bien ce que c'est, peut-être un brouillard, je ne sais pas, couvre le champ de bataille. Il n'y a pas de choix mais de retourner au camp. Quelques soldats sont occupés de pleurer parce que les dieux sont protégés les puniques. C'est pas très grave. La visibilité est très pauvre, donc ça devait être ça, un brouillard ou quelque chose comme ça. Et la boue n'aide pas. Donc pour un moment, il semble qu'une paire de légionnaires ont perdu. On ne les voit plus, enfin, ils ne sont plus là, quoi. Donc je vais aller les chercher. Hein? Soit on peut les laisser revenir eux-mêmes, mais bon, moi je suis la vertu, ma probité est bonne normalement, j'essaye. Donc voilà, ma probité, c'est virtu, je crois que c'est probité, a augmenté de 3. Ok, awareness, on a réussi, par contre on a raté int, intelligence. Donc j'attrape fermement les deux soldats et je les amène à notre manipule qui avance lentement. Au premier coup, ils allaient râler, mais comme ils ont vu que. Mais ils ont fait attention de fermer leur gueule quand ils m'ont reconnu. L'opinion de la troupe a augmenté. 2-3, hein, parfait, parfait, parfait. Donc, ok, c'est fait. On est retourné. On est toujours à bon moral. Centurion, on est bon. Troupe, regardez, on est très très bon. Bon, la plupart des alliés natifs locaux ont déserté les Carthaginois aussitôt après la bataille. Giscoas, Asdrubal et le restant de son armée ont fui pendant la nuit. Scipio nous lance dans la poursuite. Bon, ils sont proches de la mer quand finalement on arrive à les entourer, à les nasser. Ce qui suit après n'est même pas plus, n'est rien plus qu'une boucherie. Notre manipule n'est même pas, ne prend même pas part pendant que les puniques sont complètement détruits, quoi. Alors, quelques centaines d'eux s'évadent du bain de sang. Ils s'entranchent. Oui, protègent eux-mêmes au top, donc, comment est-ce qu'on dit? Ah oui, ils font des tranchées, si on peut dire, au sommet des collines proches. On fait siège autour d'eux et on attend. Ils ne vont pas résister longtemps sans eau. Quand ils se rendent, il n'y a plus de traces de Hasdrubal ni de Mago. Ils se sont enfuis, mais c'est pas grave. C'est pas important. C'est terminé, la présence de Carthage en Espagne est tout sauf est complètement oblitérée, quoi. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de leurs troupes. Notre morale a progressé de 10 et normalement on a fini le truc en Espagne, je suppose. Et j'ai amélioré un petit peu mon charisme, ça c'est bien. Ok, ça monte encore un petit peu les sous. On n'a pas fait des. On a fait 5 stratus, je crois. Je sais pas ce qu'on a gagné là, mais on a gagné un petit peu. En tout cas, ça c'est sûr. On va regarder ce qu'on a gagné. 2 points dans chacun de mes bidules. Et nos victimes nous ont donné également 1 point supplémentaire. C'est bien. Alors, quelques mois plus tard. Les dernières forteresses de Gadès se sont rendues sans combattre. Quand on est arrivé il y a 4 ans, 3 larges armées gardaient l'Espagne sous le contrôle de Carthage. Maintenant, ce land est fermement dans les mains de Rome. Donc, on embarque de nouveau
Et cette fois-ci, on retourne home, on retourne à la maison, donc vers Rome. Après un long temps dans l'armée, je suis enfin heureux de pouvoir voir ma famille. Et encore, notre nouvelle vie à la maison, retour à la maison, n'est pas ce que j'avais pensé. Peut-être que les gens sont différents, ou peut-être que c'est juste moi. Enfin, par rapport à ce que je vois, je crois qu'il y a quelque chose qui me manque, quoi. Ça va pas. Je ne me sens pas bien. Scipio est de retour, en plus. Beaucoup de citoyens romains regardent le jeune général comme un héros après cette victoire assourdissante en Espagne, formidable victoire en Espagne, et il est élu consul. Après un long débat, et Scipio est autorisé à utiliser son plan pour envahir l'Afrique. Donc le vaste pays après la mer au sud est dominé par la cité de Carthage elle-même. Donc Scipio reçoit les légions de Sicile sous son commandement. Elles sont composées des survivants de Canae, confinés dans l'île jusqu'à la fin de la guerre comme punition. Ils ont été exilés. Bon, enfin, je ne comprends pas très bien, mais c'est pas grave. Le nouveau consul, on lui interdit de lever plus de légionnaires. Mais les volontaires sont permis. Donc on va se battre avec des gens qui avaient perdu la guerre, quoi. On va pas arrêter, hein, on va continuer. On pourrait s'arrêter et vivre avec ce qu'on a gagné, mais bon, hein, on est là pour jouer quand même, non? Ok, on traverse la mer vers la Sicile avec Scipio lui-même et des milliers d'autres volontaires. À partir de là, le consul voudrait lancer l'invasion de l'Afrique et qui finalement pourrait heureusement terminer cette guerre une fois pour toutes. Donc le consul est content de nous, il gagne, on gagne 2 points d'opinion avec lui. Alors on joint les deux légions existantes et on commence de longs mois d'entraînement et de préparation nous menant vers la nouvelle et finale expédition. Cependant, malgré qu'elle est petite, notre réputation avec le consul amène... Notre réputation avec le consul apporte un point significatif avec nos officiers plus âgés, quoi. Avec les officiers gradés. L'opinion de notre centurion a augmenté de 14 points. C'est beaucoup ça. Waouh. C'est beau ça. Il est content de nous, hein, notre centurion là. On va être bientôt prêt pour une promotion, les petits gars, j'espère. Bon, moral height, on est parti pour s'entraîner. Caractère, on est à 54 en sport, 52 en quai. On va directement commencer. Petit coup de javelot, il n'a pas voulu. Alors, on va regarder si on peut toujours avec du good, si c'est toujours bon. Oui. Ok, parfait. On revient dans le workouts. Fait quoi? Quickness, endurance, malheureusement nada, gym, constitution. Ok. On revient dans le training. Là, dans tous les cas, on trouvera toujours un très bon partenaire. Mais on va commencer à aller peut-être dans le best. On va le tester un petit coup. Voilà. Là, on a progressé. Il faut qu'on se batte avec quelqu'un de plus costaud que nous. Donc on se bat avec l'élite de la Légion, mais on a une petite chance de succès seulement, malheureusement. Là on a eu de la chance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc on va un petit peu revenir vers des patrouilles.
Opinion troupe plus 1, parfait. On va aller se faire un petit coup de. On va jouer quelque chose. Play Dice peut-être. Ça ne m'intéresse pas. Ça, bah, rien du tout d'intéressant non plus. Ok, on est reparti. Un petit coup de swing. Ok, l'endurance. L'endurance, parfait. C'est bon, hein, notre endurance devient excellente là. Travailler sur la coordination. On va refaire un petit coup de training, javelot. Ça passe toujours. Je reviens dans petite patrouille. Ça y est, on gagne encore 2 points. Parce que ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux faire un peu de coaching? Donc ça a amélioré la troupe et les centurions, l'opinion. Surtout si notre... On va le tester. On a juste gagné 1 point avec le centurion. Ok. On va refaire un petit coup de celui-là. Parfait. Training. Javelot, ça monte bien. On essaye de nouveau un petit coup là. Mais personne n'est... On n'a pas eu assez de monde qui nous aidait. Quoi. On n'a toujours qu'une small change. Ok. On va refaire un petit peu de patrouille. Ah, en tout, donc on ne peut plus faire d'extra quoi. On va avoir ici un petit coaching. Yes, ok. C'est de nouveau amélioré et un événement qui arrive. Marcus Alfenus. Feignasse et un soldat indiscipliné. Donc là, il ne prend aucun soin, il est négligent dans sa manière de faire ses devoirs. Mais il a déjà causé pas mal de troubles dans le passé à cause de ça, mais sa famille. Eh bien, on connaît bien le centurion. Et sûr que grâce à ça, ben, il n'a jamais de problème avec. Hein. Alors, ça veut dire que si je dis que la situation ne peut plus être tolérée, et je dois aller rouspéter avec le centurion, mais en public. Et donc là, ça va me diminuer mon. Ça va sans doute améliorer là, au niveau de la troupe, mais diminuer. L'opinion de mon centurion. Et donc, c'est une très mauvaise idée. Par contre, ma virtu aussi deviendrait meilleure, hein, ma probité sans doute. Soit je peux laisser faire, mais là, à mon avis, je vais perdre de la virtu et je vais peut-être aussi perdre du moral ou quelque chose comme ça, ou d'opinion des troupes. Je vais prendre le deuxième. Bon, on va le faire. Je vais le dire au centurion, mais en privé. D'ailleurs. Ok, ma probité s'est améliorée de 5, mais heureusement que mon charisme est passé. Il admet que ce que j'ai dit est bien fondé. Il va parler à Alphénus et lui dire de faire mieux, ou sinon il en subira les conséquences. Et on a amélioré notre opinion avec le centurion. Parfait. Parfait, parfait. C'est bien, c'est bien. Très content. On va réessayer un petit training best. Yes, on est passé, mais on est toujours que small. Hein. Mais on a réussi nos 2 bidules et on a de nouveau un événement. Alors, Scipio nous entraîne vraiment beaucoup. Il utilise pour ça en Espagne. Ah donc, non, il faisait comme ça. Donc il nous épuise, si tu veux. Il nous entraîne jusqu'à l'épuisement, je pense. Ou non, plutôt, il nous entraîne sans trop nous fatiguer. Je pense que c'est ça. Hein. Il a utilisé cette manière de faire en Espagne. Mais maintenant, il a plus, quoi. Il met plus de poids dans notre entraînement. Il est déterminé à utiliser le temps et notre relative isolation, donc on est à peu près seul ici en Sicile, pour transformer son armée en une arme dévastatrice et sans peur. Ok, l'endurance, on est passé le cap de l'endurance, donc on peut continuer. Sinon, à mon avis, on aurait perdu peut-être de la vie ou du moral. Donc c'est bien, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai comme
pognon pour le moment. Attends. Donc là, on est bien monté. Il faudrait que je travaille un petit peu plus de shield. Shield, c'est ma défense, hein. Donc la shield permet d'éviter surtout les feintes qu'on va me faire et les coups que. Et empêcher l'autre d'arriver à porter ses coups, hein. Donc c'est important. Alors. Ok, tout ça. Bon, on va regarder ce que j'ai comme pognon, voir si ça vaut peut-être la peine d'acheter quelque chose. 815. Parce qu'on est quand même vraiment faible. On va continuer à s'entraîner. Yes, de nouveau les deux. Je perds un petit peu de morale, mais c'est toujours bon. Yes, oh, c'est superbe ça. Malheureusement, là, on n'a rien du tout. Petite patrouille, yes. Ok, allez, un petit événement. Espérons qu'il soit intéressant. Donc, durant aujourd'hui notre séance de sparring partner, donc de combat, Junius Lucius, il veut parier 5 denarii. Quiconque est incliné a envie de challenger. C'est un bearer standard, mais donc un lutteur moyen et un épéiste exceptionnel. Deux soldats avancent et après avoir un peu regardé, Junius décide de les combattre tous les deux en même temps. La facilité avec laquelle il les a défaits, boum, tout le monde est waouh, le mec quoi. Et comme les challengers battus se reculent en se massant leurs membres, Junius demande s'il reste quelqu'un, je suppose, qui veut donner une toile. Eh ben, bien entendu, on va accepter le challenge. Junius fait la remarque qu'il ne va pas reculer. Juste, même s'il est bien meilleur que moi. Ok. Comme j'ai une bonne probité, nous n'en espérions pas moins. On se fait face avec nos épées en bois. Alors, soit je vais go en deux défensives, go en deux offensives. Moi, je vais go en deux défensives. Et je rate ma défense. Et rapidement, il me coince dans un petit coin, dans les cordes, si on peut dire. En cachant son épée derrière son bouclier, pour m'empêcher de voir les coups jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De voir ses coups jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Notre vision devient floue. Après toutes Il me hache carrément, quoi, tous les coups qu'il me donne sur mes membres. On a perdu. Ben, dis donc, c'était vite fait. J'aurais peut-être pas dû aller défensivement, mais bon. Oui, j'avais une moins bonne défense que mon attaque. Mais bon, lui, je sais qu'il était spécialiste en épée. J'ai jamais eu cet événement. Ce qui est bien, c'est que vous avez souvent des nouveaux événements. Il y en a plein, plein, plein des différents. Et donc, vous pouvez recommencer vos parties un maximum de fois. Perdu des sous et perdu. 5 de vie, ce qui veut dire 5 de morale, malheureusement. Mais bon, tant pis. On va faire une patrouille. Opinion du centurion. Il reste du petit coup. On va en refaire un petit coup d'une patrouille de nouveau. Troupe, ok. Et je voudrais peut-être essayer d'acheter quelque chose. On va voir. Donc j'ai juste le temps d'essayer quelque chose. Alors, je pense que ça, c'est à peu près la même que ce que nous avons. Ah, elle est meilleure. Non, elle est moins bonne en Andiness. Elle peut faire un maximum de 2 points supplémentaires, mais. Le Andiness est important. C'est justement aussi ce qui me permet d'avoir une meilleure attaque et d'avoir donc de réussir à porter mes coups plus facilement. Et également, c'est pour la fin, les feintes également. Hein, c'est important. Alors, on met un casque ici. Qui est meilleur en couverture, mais qui est moins bon
en protection d'armes, mais surtout il me fait perdre 2 points en plus d'avoir des. Pour la petite différence, ça n'en vaut pas la peine non plus. Ça, à mon avis, non. Couverture est trop basse. Couverture est trop basse. Même si ça protège bien, mais à 50%, non, 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 non. Ah, 810, 864. Et ça, c'est bien dommage. J'ai une meilleure protection, un petit peu sur les jambes. 16 et 28. Elle vaut normalement 725 et j'aurais dû l'acheter 864. Bon, tant pis. Est-ce que toi, tu serais un petit peu mieux? 2, 16, 5, 16. Non. Par contre, Landinet, c'est bien meilleur. Mais. Ensuite seulement anti-armor, c'est quand même 8 points. Bon, si je tape sur les bras, c'est bien, mais ça n'en vaut pas la peine de s'embêter avec ça. Un pectoral plate, ça, non, on laisse tomber. Non, rien du tout, malheureusement, qui m'intéresse, j'ai perdu du temps. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose? Je crois que j'ai rien du tout à vendre. Non, on n'a rien du tout à vendre. Ok, on est parti. Alors, l'année où Scipio est consul est terminée, mais on lui donne quand même l'autorité d'un proconsulaire pour continuer son plan d'envahir l'Afrique. Tout est prêt. Une large flotte emportant l'armée complète fait voile loin de Lilybaeum. On est parti de Lilybaeum. Et donc ils disent que le voyage vers le nord, la côte africaine no, du nord, ne devrait pas être très long. On y va, on continue. Donc un léger brouillard enveloppe la flotte cet après-midi, dans l'après-midi. Il y a beaucoup de phases de gomme, je ne sais pas comment on dit. Dans nos camarades, mais qui se tous un peu la gueule, quoi. Et donc, on va dans l'antre du lion après tout, hein, donc ils sont pas trop à leur aise, quoi. Alors, soit je peux faire du cheer them up, donc je peux les réconforter, ou rien que je peux faire, quoi. J'ai quoi comme charisme 61? Ouais, bon, laisse tomber, quoi. On attend. Bon, mon moral a diminué de 3, malheureusement. Bon. Ouais. Donc leur gueule noire là, ouais, c'est contagieux, quoi. C'est pas grave. À la tombée de la nuit, donc dans la pénombre, le brouillard n'est plus là. Un peu plus tard, finalement, on commence à voir la côte africaine. Mais ça va vite, hein. Donc on atterrit, on lance l'ancre pas très loin de la cité d'Utica. Après avoir dépensé quelques jours pour renforcer nos positions, nous sommes prêts pour l'action. Alors, les premiers raids à travers la contrée environnante rencontrent peu à pas de résistance du tout. Éventuellement, le détachement auquel notre manipule prend part, arrive près une modeste ville. Notre prochaine target, donc notre prochaine cible, elle est entourée par une petite barrière, quoi, enfin par, ouais, sans doute, une muraille, peut-être, enfin petite, ouais, enfin, soit. Oui, cependant, appeler ça un mur serait exagéré. Donc, ok. Alors, ben, je vais lancer l'assaut, moi. Je ne vais pas rester derrière, hein, les petits gars là. Ok, nous sommes parmi les premiers. Je suis parmi les premiers à grimper sur la petite muraille. 5 ans auparavant, nous avions pris part quand on a
buter complètement la New Carthage de cette même manière. Hein. Donc c'est storming, c'est sans faire le siège, quoi. C'est directement attaquer directement, sans faire le siège. Donc il n'y a rien, ceci n'est rien en comparaison de ce qu'on avait fait il y a 5 ans. C'est ce que je continue à me dire. Hein. Alors, juste avant d'arriver au sommet, deux miliciens essayent de m'arrêter. Bon, bah, experts miliciens et miliciens, donc il y en a deux là. Je pense que le petit. Alors, soit je peux me. Attention, comme vous voyez ici, ça, c'est le maximum que je peux avoir d'équilibre puisque je suis sur une échelle. Hein? Si on regarde ici, terre adverse, donc eux, ils ont ils ont la position haute. Et donc moi, comme j'attaque de mon échelle, enfin pas de mon échelle, mais en grimpant sur le mur, ben, j'ai une pénalité à mon équilibre, ce qui est tout à fait logique. Donc l'expert milicien, c'est pas grand-chose, et le milicien, ça doit être encore moins. Donc logiquement, je pense que mon attaque, on va peut-être même attaquer ici. Est-ce que si je lui fais une feinte au mec, ouais, je vais plutôt lui faire une feinte normale à l'expert. Lui, il va sans doute pas arriver à me toucher, quoi. Voilà. Toi, essaye de me faire quelque chose, mais je te refais une feinte normale, mec. Parce que moi. Bon, bah alors, on va te donner un petit coup sur toi, mon petit, alors, hein. Toi, tu vas, boum. Je vais attendre que lui m'attaque. Et maintenant, je peux lui rentrer dedans. Parce que c'est lui le plus dangereux, hein. Il fait que 6 points dans le nez. Ah vache, j'ai raté mon coup. Donc là, je vais quand même faire un recover. Pouf, me mettre comme ceci. En défense, puisque j'ai quand même perdu beaucoup beaucoup d'équilibre, mais je continue à en perdre. Ok, on est reparti. Là, il peut faire deux fois. Ok, ils sont ouverts tous les deux, donc je vais continuer sur l'expert. Allez. Faut que j'aille le plus vite possible, hein, parce que là, ils vont quand même pas me laisser trop de temps. On continue. Allez, tu as raté son coup, toi tu t'es ouvert, mec. Mais quand ils sont plus faciles, ça va mieux. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ok. On y est, on y est, on y est. Toi, mec. Toi, ton petit gars, là, tu vas mourir. Oh, je te rate, c'est pas vrai, quoi. Ah, donc là, il faut que j'arrête. Aïe, aïe, je me suis fait bouffer, quoi. Merde, pas de chance. Voilà, j'ai pas vraiment besoin de le mettre en déséquilibre. Hein. Sauf quand je rate comme ça. Parce que le problème. 17. On va essayer de recouvrir un peu. Là, j'aurais dû me mettre en défense par contre. Voilà, comme ça. Voilà. Là, c'est bon. On les a butés tous les deux. On est passé. Alors. J'ai mis plus longtemps que prévu pour. Buter ces deux miliciens, pas beaucoup entraînés, quoi. Mais c'est vrai, là j'ai mis du temps. Hein. Bon, les défenseurs ont pris place, donc on laissait de la place le long de la barrière. Très tôt, il n'y a plus aucune résistance. Ça y est, on peut piller. La ville. Donc les troupes sont occupées à piller partout autour de moi. Je vois un couple de deux places pour démarrer mon propre pillage. Soit je rentre dans la maison à droite, soit je vais dans le large building en face de moi. Un large building, la maison. Donc là, je risque de voir des personnes dedans. Et je vais devoir les buter ou pas. Je vais aller dans le grand building.
Ouais. On a regardé dans toutes les pièces, moi et mes camarades, et on a pris ce qu'on pouvait, on a amené tout à l'extérieur, mais il n'y a pas grand-chose, quoi, malheureusement. Bon, pas de chance. On aurait dû plutôt tout aller dans l'autre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, je laisse, donc on laisse maintenant la ville fantôme derrière nous, et on emporte avec nous les prisonniers et bon, tout ce qu'on a récupéré, les marchandises, dans notre camp. Ok, bah je pense qu'on a fini là. Non? Non. 2 jours ont passé et j'ai récupéré mes 6 points de vie que j'avais perdus. Notre groupe est pris en embuscade sur son chemin vers un autre raid. Alors, les Tubicènes jouent de leur trompette pour appeler à l'aide. On doit tenir bon jusqu'à ce que la cavalerie proche vienne à notre secours. Une volée de lances, donc de javelot, pleut sur notre flanc droit. Malheureusement, j'ai pas de défense, enfin, la défense n'a pas été suffisante, et j'ai été touché, j'ai perdu 8 de vie. Ok, je vais moi directement aller chercher leur leader. J'aime bien faire des duels parce que ça me permet d'avoir du matos, du pognon, gagner des opinions, etc. Ou alors vous restez dans les rangs et vous risquez pas grand-chose. Là, le leader, c'est toujours leur mec le plus fort, même si j'ai perdu 8 points. Alors, avant que je n'arrive à joindre le leader, 2 de ces hommes sont déjà dans mon chemin. Il va donc falloir que je bute ces 2 light infantrymen. Et notre javelot a une bonne chance d'en buter un. Hein. On va regarder ce qu'on a là. Il a une bonne défense. Lui, il a une mauvaise constitution. Et c'est celui-là, ouais. Et l'autre, lui, il a une bonne constitution. Ouais. Deuxième. Et il a une bien meilleure défense. Je vais d'abord essayer de buter celui-là direct, quoi. On va voir, hein. Ouais, il n'y a pas une grande différence. Là, j'ai un. Ouais, non, je vais quand même commencer par celui-ci. C'est le mec le plus rapide à tuer, je pense. Et je lui ai bien fait mal, quoi. Clac, bleu ice. Donc, ça, c'est parfait. Je devrais normalement, si je l'attaque. On va les rentrer dedans. Essayer de le buter tout. Parfait. Sublime. Par contre, l'autre m'a touché. L'autre m'a touché. J'ai perdu 4 points. C'est pas très grave. Est-ce que. Ouais, là, je suis un petit peu juste. Je vais le laisser s'ouvrir. Et je vais me reposer un petit coup. Enfin, je vais essayer de me reposer. Il m'attaque. Je vais te feinter. Normalement. Il résiste. Il rate son recover. Là, je l'ai bien eu. Est-ce qu'il va rater? Il a raté. Là, je peux lui rentrer dedans. Soit avec le shield. Mais mon attaque est suffisante. Là, c'est bon. Il a assez de déséquilibre. Je rate mon coup. Je recover. J'aurais dû reculer. Tu vois? Yes. Il m'attaque la jambe, mais il a raté. Je peux lui essayer de le. Si je le martyre, je le finis beaucoup plus vite. Hein. Parce que je peux taper plusieurs fois d'affilée. Et comme il est bien entaché, même si moi je rate mon coup. Yes! Il ne m'aurait pas attaqué, quoi, si tu veux. Donc, est-ce que je peux le toucher bien? On va continuer au torse. Ouais, beaucoup là. Continue à attaquer normalement. Ok, on va le finir. On va l'avoir. On va l'avoir. Yes. Ok. Alors, je n'ai aucune possibilité de me reposer, bien entendu. Est-ce que vous continuez à vouloir attaquer le leader? Ben, c'est pour ça qu'on y était, donc on y va. Il me regarde froidement en me voyant m'approcher.
Ok. Sa d'infanterie, donc un leader de light infantry. Bon, moi déjà, mon javelot, je vais le balancer, mais donc lui, il n'a pas de greaves. Alors, comment il est? Son weapon n'est pas génial. Par contre, il a une très très bonne défense. Très 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 bonne défense. Il est bon partout. Il est bon partout. Mais on va essayer. Par contre, même si je le touche avec le javelot, t'as vu, je vais pas lui faire fort mal. Hein. Je vais pas lui faire fort mal. C'est la chance. Ah non, pardon. H, c'est la chance que je le blesse. Et U, c'est la chance que je puisse casser son bouclier. Alors, vous cassez son bouclier, ça c'est génial, quoi. Il peut plus rien éviter, quoi. Mais bon, là, il n'y a pas grande possibilité qu'on puisse y arriver. Mais on va essayer de le blesser quand même, hein. Yes. Bullseye au bras. Très, très bon, ça. Alors, si je l'attaque, je n'ai aucune chance de le buter. Donc, c'est même pas la peine de réfléchir beaucoup. On se repose en défense. Pendant que ce monsieur va essayer de m'attaquer. M'attaque au cou. Est-ce que je peux te faire une petite feinte? Oui, une petite feinte. Par contre, voyez, les feintes ne sont pas géniales. Hein. Là, c'est même pas la peine pour le moment. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je me repose. Je pourrais peut-être essayer d'attaquer, mais je dois attaquer absolument le bras, le torse, je vivrais pas mal. Le bras ou les jambes, mais pas beaucoup de chances de le réussir. On ne va pas faire ça. On va faire une. Ouais, pas mauvais choix, c'est passé. On va continuer. Me reposer parce que j'ai pas envie de passer mon level avant lui. On va laisser venir de nouveau. On va laisser venir de nouveau. Me reposer. Lui rate pour le moment. Ça lui coûte beaucoup plus cher à lui que moi-même. Il est plus fatigué que moi, donc mais il est moins fatigué que moi, pardon. Ok, je continue à me reposer. Qui recouvre de là finalement, ou qui recouvre de là, c'est la même chose, mais il recouvre toujours de 40 points, donc pas la peine de me fatiguer. Je continue à essayer de me reposer. Moi, tout simplement, je me repose. On va laisser passer son level. On va le laisser passer son level. Je reviens de temps en temps là au milieu hein, pour ne pas perdre de morale. Et bientôt. Tant qu'il est vert normal, il n'y a pas de problème. C'est une fois qu'il a passé. C'est seulement quand il a passé un tour que vous voyez à ce moment-là, il y aura un petit bonhomme qui va apparaître pour montrer qu'il est fatigué. Là, il a réussi à faire sa feinte. Ok, moi je fais un recover parce qu'elle était importante. Ok, on revient ici. Voilà, tu vois, on voit le petit bidule ici. Et si on regarde en cliquant, on voit l'effet ici. Je clique dessus, ce caractère est fatigué. Il souffle une petite pénalité à tous les checks. Et les checks, c'est savoir si il passe les feintes, etc. quoi. Je ne vais pas me mettre en danger de toute façon tant que il n'est pas lui-même. Mais il se repose aussi un enfoiré. Pas grave, on a tout le temps, c'est un duel. Il rate son coup, c'est bien ça. Il a bien raté son coup d'ailleurs. Est-ce que je. Oui, je.
50% de réussir. Charge, non. Je repose de temps en temps aussi, mais... On va voir. Il essaie de nouveau de m'attaquer, il me rate, c'est bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Tu vois, à chaque fois il a ça, hop, il est obligé de recover. Et donc chaque fois il perd de la fatigue. Et on va prendre tout son matos. Mais bon, il va pas me faire grand chose son matos. C'est pas génial. C'est pas mieux que ce que je n'ai, quoi. Par contre, son épée est peut-être bonne. Son épée, je sais pas ce qu'elle vaut, mais elle est peut-être meilleure que la mienne. Et ça m'intéresse. C'est aussi reposé, hein. C'est un petit peu difficile. Faut arriver. Allez, arrête de te reposer, attaque-moi, mec. Ah, plus que fin, tu l'as réussi, mais c'est pas grave. Et je me suis gouré de boutons. Il rate son coup. Là, je peux lui faire une petite feinte, là. Ouais. C'est bien. Il m'attaque à la jambe. Je me repose. Il est obligé de recouvrir son équilibre. Il m'attaque au bras. Moi, j'ai perdu un petit point de morale, mais c'est pas grave. Il est beaucoup plus fort, hein, malheureusement, que nous. Hein. Si j'attaque là, malgré que je suis en normal, il faut encore attendre un tout petit peu. Dès qu'il aura passé sur notre niveau, on va pouvoir lui rentrer dedans. Ça sert à rien. Ça avance. Allez, passe ton level, mec. Ça y est, bientôt. Ça y est, bientôt. Ça devrait commencer à être efficace. Bon, on a gagné ça maintenant. On va essayer de le voir. Pas de chance. Petit à petit, on va l'avoir. Allez, on revient dessus. Peut-être qu'une feinte. Non. Un petit coup de chute. On se fait une petite charge dessus.
On va tenter une charge. Oui, yes, yes, yes. Même si j'avais raté, il était aussi obligé de reprendre. Donc maintenant, on peut lui rentrer dedans, correctement. Et on va lui rentrer dedans avec le bras. Et on... Hop, 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 hop. Tu vois, c'est l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est par terre, il met du temps. En plus, comme il est crevé, il a vraiment du mal à reprendre pied, hein. Yes, 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 yes. Désolé, ça a duré assez longtemps, vous pouvez le voir, mais ça en valait la peine. D'ailleurs, on récupère deux bons matos, là. Ça, c'était la merde. Par contre, ça, c'est mieux dans tous les cas que la nôtre. D'ailleurs, ça se voit au prix, hein. On va la porter. Le petit casque, il est moins bon. Mais non, il est beaucoup moins bon que le mien. Donc je garde le mien. Je garde le mien. On va vendre. Hein. Et ça, c'est comme la nôtre, mais à moitié moins bien, quoi. Ok, bon, on a gagné une très bonne épée. Je suis content. On a gagné une bonne épée. Et surtout, donc, aussitôt qu'on a tué leur leader, la... mes camarades forcent les ennemis escarmoucheurs à retraiter. Nous avons gagné un petit peu de répit, mais ce n'est pas encore terminé. Une large unité de lanciers lourds est proche de nous maintenant. Nos tubicènes continue à appeler, donc ce sont certainement nos trompes, hein, je ne sais pas comment ça s'appelait ces trucs-là. Si vous regardez Astérix et Obélix, bon, on devrait voir ces grandes trompes en forme de bec au bout, je crois. Continue d'appeler la cavalerie. Par les dieux, où sont-ils? Après que nous ayons tué, après que j'ai tué le leader des escarmoucheurs, notre unité a eu le temps de se reposer elle-même sur un terrain plus favorable. De nouveau, nous sommes prêts à repousser l'assaut. Et donc là, je prends la place du centurion et j'ai un Spearman libyen qui est quand même nettement moins fort que notre copain. Par contre, lui, il a le high ground. Comme il a le high ground, il a un weapon reach déjà de 4, mais en plus, moi, je vais normalement, qu'est-ce que ça donne? 8, ici. Donc, à terrain adverse, donc ils vont. Moi, je vais souffrir une pénalité à ma stance. Et pourtant, ma stance est parfaite, il me semble. J'ai pas l'impression que je la perds. Non, je devrais avoir 8 en moins. Non, c'est lui qui a 8 en moins. C'est nous qui sommes. Oui, grâce à ce que j'ai tué le leader, on a eu le temps de se mettre sur un bon terrain. Et on a pris l'avantage du terrain, donc c'est lui qui se prend 8. Donc nous avons le terrain élevé et nous avons 8, ils perdent 8 d'équilibre. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Mon attaque n'est pas suffisante. Au niveau des feintes, on va les laisser attaquer. On va les laisser attaquer. Je fais une petite feinte, mais en arrière. Il m'attaque la tête tout de suite, il va se faire buter vite fait bien fait. Soit je fais de la charge, c'est pas une mauvaise idée, une petite charge tout de suite. Par contre, je rate mon coup totalement, malheureusement. Ouais. Tous les deux. Allez, on rattaque de nouveau. Yes, cette fois-ci, je l'ai eu tout de suite. C'est bien, hein, ces coups de charge. Non, mais vous devez vraiment le faire quand l'autre, il est bien entamé déjà. Hein. Alors, on peut attaquer. Là, le torse, c'est pas la peine. Mais les bras, de nouveau, c'est très intéressant. Les bras, les jambes. Je rate mon coup. Mais je continue un petit peu à attaquer.
Oui, chaque fois que je le touche dans les membres, les bras ou les jambes, il prend un méchant coup dans la fatigue. Malheureusement, j'ai de nouveau raté, mais je vais récupérer mon équilibre. Sinon, je n'arrive plus à le toucher. Ah, le jeu, on dirait qu'il vient de se bloquer. Que se passe-t-il? On va patienter un petit peu. Yep, c'est parti. Ok. Ok. Elle bras de nouveau. Et puis il a eu touché, crac. Et il a perdu un max de fatigue. Il était ici et pouf, il vient de passer là. Maintenant il est vraiment crevé, quoi. Donc là il est fatigué. Là il est. On a le haut ground. Et ici, son allongement, donc son épée. Est pour le moment refusé, donc il ne peut plus l'utiliser et il perd tout avantage de portée et son attaque est sévèrement pénalisée. Aussi, le recover donc, est modérément pénalisé quand il combat dans un open space. Vous voyez donc ben, tout ça fonctionne très bien pour nous et on devrait le tuer assez rapidement maintenant. Malheureusement, je n'arrive pas à lui faire beaucoup de dégâts pour le moment. On va regarder si on pourrait relancer une petite charge dessus. Oui. Et on le finit normalement ici. Pas encore. C'est con parce que ça me fatigue, hein, mais bon. Oui, parfait. L'opinion de tout le monde et mon moral a bien progressé. On va se reposer un petit peu en attendant le suivant. Voilà, donc là un tour ou deux et puis je me retrouve à l'arrière, donc c'est pas la peine de trop se fatiguer, à moins que non, ça n'en vaut pas la peine. Je vais juste me mettre ici puisque normalement il ne va pas m'attaquer tout de suite. En plus il rate son coup. M'attaque à la tête et normalement je pense que c'est fini. Voilà. Donc on repasse derrière, notre fatigue est de nouveau tombée. Attention, je pense que si je vais passer un level de fatigue, je crois que je retourne avec de la fatigue. Hein, mais bon, on retourne de nouveau au front. Celui-ci est déjà fatigué, parfait. Petite salle pour commencer alors. Quick. Petite, tout tranquille, il m'attaque. Est-ce que non, une charge là ce coup-ci est trop basse. Par contre, même la quick est pas mal. Elle est pas mal. Ok, on va te laisser venir de nouveau. On fait une petite charge, les gars. Ce coup-ci, je l'ai raté. Ah, un petit coup. Ah, non. Du mal. Dixième tour, on va essayer d'en buter un quand même. Ce coup-ci on devrait l'avoir. Allez, on tente la charge. Pas de chance. Bah, je me suis gouré, c'était pas ça que je voulais faire. Mais bon, ça va. Attention, 15e coup, 16e coup. Allez, ce coup-ci, je te bute, mec. 16e tour, il récupère rien. On va essayer d'attaquer. Bon, on va commencer par les bras.
Allez, laisse-moi un peu le temps de le. Ah, dommage, on a raté, quoi. Bon, il reste plus beaucoup de possibilités de le buter. Au moins de le blesser correctement, malheureusement. Ah, il me reste encore un tour. On va essayer de le. Ben, je vois pas d'autre endroit que là, le plus intelligent. Allez, je crois qu'on l'a wounded correctement. Mais à mon avis, c'est fini ici. Ouais, malheureusement, c'est fini. Mais on l'a wounded. Sérieusement, je crois. Ouais, opinion troupe, tu vois, seriously wounded. Blessé sérieusement. Donc, c'est des points en plus d'opinion et de morale et de tout, et de tout, et de tout, et de tout, et de tout. Donc, même au-dessus du bruit de la bataille, vous pouvez entendre les. Hoofbeats, je sais pas. Oui, c'est des bruits de sabots approchant. Notre cavalerie est enfin. Arrive enfin, les escarmoucheurs se dispersent immédiatement et ont payé un lourd. Comment est-ce qu'on dit ça? Un lourd tribut. Un lourd tribut. Pendant que les spearmen se désengagent et retournent dans une retraite ordonnée vers la sécurité. Vous êtes trop fatigué pour conduire une poursuite. Il semble que vos sauveurs avaient été également pris dans une autre embouchure, hein, c'est pour ça qu'ils étaient en retard. Vous pouvez bouger enfin de nouveau, mais le reste de la journée est essentiellement vide d'événements. Bien, ben je crois qu'on va se prendre une cup en plus de nouveau, là non? J'ai pas eu une cup là parce que j'ai. Bon, on a gagné 155 dinari, notre position est solide, on a fait beaucoup de raids. Et on a récupéré pas mal d'esclaves et de loot. Les esprits sont hauts, donc les esprits dans les gens sont hauts. Et personne n'oublie que vous étiez en sous-nombre ici, tout près de Carthage. Non, que nous sommes en sous-nombre ici, très près de Carthage. La véritable campagne est à son début, on va commencer. Votre morale est augmentée de 3. Alors, votre action héroïque contre le leader de l'infanterie légère ennemie est récompensée. Voilà, j'ai eu 3 coupes, donc parce que j'ai fait 3 duels, hein. Un pour chaque ennemi que j'ai engagé et défait de ma propre initiative. Excellent. Voilà, on a 4 coupes maintenant, c'est 4 récompenses. Et ça commence à. On a déjà buté. On est quand même un sacré salopard d'assassin, quoi. Mais bon, là, c'est vu ou nous. Mais surtout, c'est un jeu. C'est un jeu. Et visez-moi ça, les gars. Visez-moi ça, c'est magnifique. Et ça monte. Et ça monte. Et encore, on a reçu un collier d'argent. Je crois que c'est un collier ou un bracelet d'argent, je crois, parmi donc, nos prouesses exceptionnelles à la bataille ont été récompensées. Donc, en plus, en reconnaissance de nos efforts et de nos achèvements, nous avons été promus à la position de centurio postérieur. Alors, centurio postérieur. Nous sommes en charge de l'aile gauche, de la main gauche de la centurie et second en commande de notre manipule. Derrière, on est juste derrière le centurio prior. Et donc, on gagne beaucoup plus de pognon, presque 200 maintenant. Et on est dans la ligne maintenant des principesses. Des principesses, donc normalement, c'est l'infanterie lourde, si je ne me trompe pas. Tandis que les astatis où on était avant, c'était les escarmoucheurs, normalement. Si je me rappelle des autres jeux auxquels on joue. Bon, eh bien, mes petits gars, notre épée commence à bien monter. Notre shield est un petit peu en arrière. Javelot, parfait. Tout ça monte aussi. Mais bon, on n'a pas souvent l'occasion, sauf la dernière fois, tu sais, le polar, où on n'a pas réussi grand-chose. Et on est partout au-dessus de 70. Magnifique, à part un petit peu ici, là, c'est un peu faible encore tout ça, mais bon, là, on ne peut pas y faire grand-chose.
Ouais, c'est bien. Notre vie est de 70 et nous allons pouvoir nous entraîner. Est-ce que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait ici, moi? Ouais. Ouais, ça, c'était pas bon, hein. Donc ça, c'est à vendre. Mais on va pas le vendre tout de suite, on va, parce que ça coûte des points.